Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo assez courte puisque l'explication l'est tout autant. Si vous avez un décodeur Canal+ mini, vous savez, c'est pour le multiroom qui s'appelle G9M. Alors ce décodeur a une particularité, c'est qu'il n'a pas de bouton en façade et sur le côté, il y a un bouton avec deux flèches. Et derrière, il y a toute la connectique, quoi. Il est assez petit, enfin, c'est le même format à peu près que les derniers Apple TV. Donc c'est assez petit, noir, pour situer le machin. Donc si vous avez l'erreur EESPT Technical Error, ça vient tout simplement en fait d'un problème de liaison Wi-Fi, qui fait qu'il n'arrive pas à communiquer avec l'autre décodeur. Alors pour ça, j'ai trouvé la solution. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Je pense que c'est à peu près les mêmes problèmes qu'on rencontre avec les box d'Orange, enfin les boîtiers TV d'Orange. C'est qu'il n'arrive pas à faire les mises à jour en Wi-Fi et du coup, il se bloque. Alors ce que j'ai fait, moi, j'ai passé le boîtier en filaire et le problème, c'est que le simple fait de le passer en filaire, ça ne suffit pas. Donc, il faut réinitialiser le boîtier. Et vous allez me dire, comment on fait? Parce que j'ai galéré pour trouver comment réinitialiser ce boîtier. En fait, il faut d'abord l'éteindre. Il faut appuyer sur le bouton qui est sur le côté. Vous rallumez le boîtier tout en maintenant ce bouton appuyé. Et vous attendez l'apparition en tout de deux logos Canal+, avant de le relâcher. Alors, ce qui s'est passé, moi, c'est qu'il a affiché une première fois le logo Canal+. Ensuite, il a fait une mise à jour, il a redémarré, il a réaffiché le bouton Canal+. Et là, quand le logo Canal+ a disparu pour la deuxième fois, là, je l'ai relâché. Donc, même s'il y a les mises à jour, vous restez appuyé dessus. OK? Vous attendez le deuxième affichage du logo. Une fois qu'il a disparu, là, vous relâchez. Et vous allez voir que là, en fait, il sera réinitialisé et vous pourrez refaire toute la configuration. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous n'arrivez pas à avoir le fameux code parental, ben là aussi c'est une super astuce pour les réinitialiser. Et oui, parce qu'il vous demande de refaire le code parental. Donc c'est une astuce au tip top. Voilà, aux petits oignons. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce en l'air, à vous abonner et puis à partager la vidéo et la chaîne. Voilà, parlez de ça autour de vous, faites-moi de la pub. Merci les loulous.